Eh ben c'est tout le monde, c'est la street, c'est Byslide, on se retrouve pour une vidéo sur Bad Lyon en BDC. J'espère que tout le monde va bien, parce que ça va très 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 bien. Voilà, petite vidéo, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de ce mode de jeu, ou que j'avais joué sur Bad Lyon. En plus en ce moment je suis à fond rush, c'est un truc de ouf là, depuis une semaine, pratiquement deux, je fais vraiment que ça. Je pense que vous avez dû le remarquer de toute façon. Du coup ouais, petite vidéo de détente, enfin vite fait parce que je pense qu'on va vite enrager à cause des tryharders, de malades et surtout les cheaters parce que maintenant en but de c'est que ça. Du coup ouais, je vous fais une petite... Ok, je tape un canapé, je vous fais une petite vidéo sur ce mode de jeu pour vous parler de 2-3 trucs, mais je sais pas si je vais y arriver parce qu'en fait c'est des malades les gens. Voilà, c'est genre ça fout, ça joue full saut de lave comme d'hab etc, enfin bref la base. Et en plus genre j'ai plus l'habitude de jouer dans ce mode de jeu de merde rempli de cheater. Ouais, du coup je fais une petite vidéo pour parler de 2-3 trucs. Donc déjà le pack, comme vous avez pu constater. Aussi je voulais vous parler de ma dernière vidéo de la compilation Rush. Et je dois vous parler d'un top 5. Oui, je crois que bah d'ailleurs ça va être dans le titre de la vidéo. Donc top 5, vous allez comprendre pourquoi c'était dans le titre de la vidéo. Ok, le gros relou, le gros relou. On est en but du HC. La 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 la. On tryhard notre vie. Si on tryhard pas, on cheat. La 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 la. Gros mode de jeu. J'en refais. Et pourquoi vous me direz du coup pourquoi je fais du but du HC? Si je rage encore dedans, parce que tout simplement pour diversifier. Ça s'appelle la diversification. Et du coup voilà, après quand on fait trop la même chose sur YouTube, les gens sont pas contents. Et du coup voilà, je diversifie, je fais un peu de trucs. Et voilà, même si j'aime plus ce mode de jeu de fils de pute rempli de tryharders et de cheaters. Mais bon, du coup on va essayer de se concentrer sur ce que je dis et non pas sur le gameplay qui va être naze. Parce que c'est de la merde maintenant les buts du HC sur serveur. Du coup on va parler du Dynamic Duo déjà. Donc Dynamic Duo, vous avez tous été là, Dynamic Duo V2, machin, Byslide, tout cul, parce que vous savez que c'est un peu entre guillemets mon pack préféré. Et donc du coup bah je l'ai téléchargé, là j'ai essayé. Donc je l'avais pas téléchargé, je l'avais vu parce que je suis abonné à sa chaîne, je crois celui qui l'a fait là, Spikepun. J'avais vu qu'il l'avait fait, mais en gros oh putain, c'est vraiment de la merde, c'est vraiment devenu de la merde le but du HC, c'est un truc de ouf. Eh hey, t'sais quoi, tiens ton elo frère, vas-y mange ton elo, tiens, 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 parce que oh, c'est bon. Allez, prends l'elo, prends. C'est bien. 110 points de compétition Minecraft, fils de pute. Allez, suivant. Oh putain, je suis plus compris. Laissez-moi faire ma vidéo. Pourquoi vous êtes là, vous cassez les couilles? Laissez-moi faire ma vidéo. Lui, ça fait 3 fois que je tombe contre lui, c'est un fou, il est là, Byslide, putain. Vas-y, je vais tryhard ma vie, nique ta mère, laisse-moi jouer, tranquille. Bon, du coup, je parlais du Dynamic Duo que j'avais pas été chargé au début, parce que, genre, ce qu'il faisait, justement, ce pack était un pack de ouf, c'est qu'il avait une basse résolution. Donc, je m'explique, genre, que maximum, c'était du 16x16, 32x32, dans le... C'était maximum du 16x16, 32x32. Et en gros c'est ça qui faisait que ce pack était genre juste ouf. Mais du coup là de le refaire dans une plus grosse résolution, bah je trouve ça un peu naze et ça nique tout. Donc enfin c'est ce que je pensais. Et finalement il est pas mal, j'arrive vite fait à jouer avec. C'est... ouais c'est... tu vois, enfin genre je pensais que genre même donner des coups d'épée ça allait pas être la même sensation. Putain là vous devez me prendre pour un fou, je dis des trucs, ouais je dis un peu des trucs bizarres mais je me comprends et je pense que vous devez la plupart me comprendre. Mais tu sais juste parce que la résolution de l'épée change, tu as rien que donner des coups d'épée ou tu sais comme t'as l'habitude de PP avec, ça allait changer et finalement pas tant que ça. Enfin niveau épée ça change pas, après tout le reste ouais ça change quand même pas mal mais voilà quoi. Enfin je sais pas si vous m'avez compris mais je suis un peu fou mais en plus voilà on se passe c'est des malades, c'est des malades. On est là en boss spam, on full rod. On joue saut de lave comme je viens de le faire. Oh j'ai regardé d'ailleurs tous les top elo, c'est du full lave hein. Genre vraiment, ils font ça hein. Ils mettent un coup, full lave. Et genre moi j'ai perdu l'habitude, regarde comme je fais là. J'ai perdu l'habitude de faire ça et puis surtout je trouve ça trop naze de jouer full saut de lave. Allez. En plus, enfin surtout ce que j'aime pas du tout, c'est qu'en fait bah ça marche pas en fait.
Les sauts de lave. Ça marche une fois sur deux. Quoi? 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 Elle voulait faire de la compétition sur Minecraft. Elle, vous êtes fous ou quoi? Vous voulez faire de la compétition sur Minecraft? Mais elle, vous avez viré ou quoi? On est sur Minecraft les frères. Ils veulent faire de la compétition, bah dis donc, ils sont fous. Le mec, j'étais là, j'arrêtais pas de lui enlever un cœur par un cœur. Vous avez bien vu, je lui faisais un cœur par un cœur. Il arrivait à deux. Je suis arrivé, j'ai mis le coup, je me suis dit, c'est bon, il va être one shot, j'ai gagné. Et là, je vois quoi? Ça passe de 2 à 1. Le mec, et du coup, après, je sais pas ce qu'il m'a fait, hop, j'ai perdu à 0,5 cœur. Alors qu'il était censé mourir. Genre, tu vois, c'est tellement random ce jeu de merde que des fois, tu prends un cœur, des fois, tu prends 1,5 cœur, des fois, tu prends 0,5. Et ouais, je me suis fait baiser à cause de ça, parce qu'après, ça m'a perturbé, j'ai arrêté de taper et m'a mis le combo. Waouh, grave bien, Bad Lion. Enfin, grave bien la compétition sur Minecraft. Imagine, là, on était en championnat du monde, là, LAN, j'étais en LAN. J'étais en LAN et tout, devant des milliers de gens. Le World Championship et tout, 1 million d'euros à la clé. Boum! T'as dû payer 1 million d'euros pour un demi-cœur, pour un bug du jeu. J'imagine ou pas, t'es là, t'es en finale. T'as battu je sais pas combien de gens et tout. T'arrives en finale, t'es contre le mec. Tu le niques sa merde. Tu vas pour gagner. Là, t'as un coup qui, je sais pas, ça lui met qu'un demi-cœur. Alors que normalement, t'aurais dû buter, c'était le dernier coup. Et du coup après je sais pas, hop il te met le combo, je sais pas ce qu'il fait. Et voilà, pour 0,5 heures, tu passes à côté d'un million d'euros. Allez. La compétition sur Minecraft. Bon bref. Du coup là avec ces conneries je vous parle même pas de ce que je devais vous parler. Donc du coup le Dynamic Duo V2, vous avez beaucoup m'en parlé, il est pas mal. Il est pas mal, je pensais que ça allait être de la merde. Mais finalement pas mal, je vous mettrai le lien du pack dans la description. Pourquoi pas aussi la chaîne de l'auteur, si ça peut lui faire un petit peu de pub, il sera content. Voilà. Et je voulais vous parler aussi, je voulais vous remercier de ouf pour ma dernière vidéo dans les commentaires de la vidéo compilation Rush. Eh, vous avez géré de ouf. Eh, par contre, faites gaffe hein, que je prenne pas la grosse tête, vous m'avez dit des trucs de ouf, gros. Vous êtes là en mode... Oh, Vestlide, le boss, n'importe quel mode de jeu, nique des mères, n'importe quel jeu, tout ça. Eh, vous m'avez dit des trucs, vous m'avez fait trop d'un coup, vous m'avez fait trop de compliments d'un coup. En vrai, genre, ça m'a fait plaisir de ouf, mais oh, je vais prendre la grosse tête avec vos conneries, là. Là, si je commence à prendre la grosse tête et tout, c'est votre faute, hein. Faudra pas dire, ah, Vestlide, gnagnagna, il se la pète. Eh, c'est votre faute, les frères. Vous me dites des trucs de malade comme ça, oh. Mais, ouais, sans déconner, merci juste... Bah de ouf, pour tous les commentaires qu'on m'a laissé. C'était un peu de dingue, genre vraiment. Et voilà, juste ouais, je voulais vous remercier parce que ça m'a fait super plaisir. C'était vraiment, je crois, il y avait vraiment que des bons commentaires. Il y avait aucun commentaire de rageux. Il y en a toujours, tu vois, dans ce genre de truc. Mais là, il y en avait pratiquement pas. Il y en a eu un ou deux en mode normal que tu fais des trucs, des compiles aussi ouf. Sachant que tu prends, t'as vu tes KB, t'en prends 0. Gne, gne, gne. Et ça m'a fait rire. D'ailleurs, ça peut être un prochain sujet, ça de. De vidéos, les KB dans Minecraft. Et ouais, je vais pas en parler aujourd'hui parce que là on est déjà 8 minutes de vidéo, c'est chaud. Et ce que je voulais vous parler surtout, donc ça je voulais vous remercier, voilà. Et je voulais surtout vous parler des top 5 que pourquoi pas, j'y pensais faire un top 5 kill Minecraft sur ma chaîne. J'y avais déjà... Ok, nice. J'y avais déjà pensé en faire un pour quand il y avait le serveur Omega, vous savez, les Omega, les UHC Omega, et de faire un top 5 UHC, mais seulement du serveur Omega. Mais sauf que du coup, ça s'est jamais fait, parce qu'après, on a arrêté le serveur, tout ça, machin, enfin, on l'a revendu, je sais même pas ce qui devient, enfin, j'en sais rien, m'en fous. Et donc, du coup, ouais, je voulais en faire un pour ça, mais ça s'est jamais fait. Et là, ça fait quelques temps que je repense, vu que je fais du rush, j'avais pensé à faire un top 5 rush, mais pff, pourquoi seulement un rush, tu vois, autant faire de tout, tu vois, un top 5 de tous les modes de jeu Minecraft. Et j'y ai pensé, genre en plus j'en parlais avec je sais plus qui il y a pas longtemps. Que vraiment, bah je suis un peu sans faire le mec. Après c'est votre faute, hein, je vous l'ai dit, si je prends la grosse tête c'est normal. Hein. Genre sans faire le mec, je suis un peu le boss du PvP Minecraft en France, je parle. Hein. Que ça soit dans tous les modes de jeu, genre je suis vraiment le mec qui est là depuis 4-5 ans, qui a fait tous les modes de jeu, qui est encore là, qui a vraiment, je crois, tout fait maintenant. Là, il y avait encore un ou deux ans, j'avais pas encore fait l'UHC. Je savais pas qu'il y a une communauté entre guillemets qui existait comme ça. Et je me suis lancé.
Et j'ai été français qui a fait le plus de wins en USC Bad Lyon. Genre, je suis arrivé à 15, après j'ai arrêté. Maintenant il y a les rushs que je me lance et je commence à être super bon. Et je pense que je vais pas m'arrêter de sitôt. Et voilà, je pense avoir vraiment tout fait sur le souple, les potions. Je crois que j'ai vraiment tout fait, même les petits modes de jeu. Du style de Survival Games par exemple, c'est des trucs du coup j'ai aussi fait, que j'ai beaucoup travaillé. Voilà, j'ai vraiment tout fait. Et donc du coup je pense être le plus apte et le plus connu en plus, parce que en youtubeur français qui a fait tous les modes de jeu, vraiment vraiment le PVP en lui-même quoi. Et bah c'est moi quoi, et donc du coup je pense vraiment être le plus apte à faire un top 5 pour la raison que je suis plus connu et que j'ai fait tous les modes de jeu, etc. Et aussi pour juger en fait, tout simplement, parce que vu que je suis vraiment le gars qui a tout fait en 4 ans. Vu que je suis vraiment le mec qui a tout fait, et bah je pourrais juger si par exemple on m'envoie un clip en UHC, juger si c'est un truc de. Enfin, si ça vaut un top 5, si un clip en soupe ça vaut un top 5, tu vois, vu que genre je connais les difficultés entre guillemets, ce qui est chaud de faire. Putain, mais quand je parle, c'est un truc d'où je prends le combo, je prends la bite quand je parle, j'ai zéro aim, je me concentre sur ce que je dis. Et ouais, je pense vraiment être le plus apte à juger, à faire un top 5 top 5 genre Kill Minecraft FR, il y en a quelques-uns mais chez les ricains, mais en France il y a personne qui le fait. Et voilà, sans faire le mec, je pense que je suis vraiment le youtubeur pour lancer un truc comme ça, tu vois. Genre à l'époque, comment dire, tu sais, il y avait des top 5 sur Call of Duty, des trucs comme ça, et ceux qui le faisaient c'était Wartek et Diablo X9, parce que c'était les plus connus, tu vois, et c'était les deux plus gros youtubeurs avec le V12, tout ça, qui faisaient du code, tu vois. Du coup c'était normal. Bah du coup pour Minecraft, hein, voilà, c'est, genre c'est moi quoi, genre je vois pas quelqu'un d'autre faire ça, tu vois. Enfin le vrai PvP, après je parle, hein, genre Nem par exemple, il pourrait très bien faire un truc comme ça, mais je le vois plus faire un top 5 pour Epicube, tu vois, des modes comme ça, tu vois. Mais quand on parle du vrai PvP, genre les vrais serveurs PvP, où c'est genre que ça soit, tu sais, ok, il est vraiment trop con lui. Que ça soit, tu vois, le mec qui a joué sur Koi, MCPP, maintenant Bad Lyon, tu vois, c'est vrai, le vrai PvP, tu vois, pas les trucs d'Epicube, les modes de jeu, tu vois ce que je veux dire, enfin, je critique pas, mais t'as compris. Et donc du coup ouais, je pense être le plus apte, tout ça, pour toutes ces raisons, je vais pas me répéter. Du coup genre, je voulais en parler pour vous demander ce que vous en pensez, me dire si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Et si surtout ça pourrait être une bonne série et que ça vous intéresse. Voilà, ça peut être intéressant de mettre en plus vraiment tous les modes de jeu en plus, vu que je pense que comme j'ai tout fait. Genre ma communauté, elle touche à tout, vraiment. Je pense que j'ai encore beaucoup de joueurs soupe dans ma communauté, genre potions, genre machin. Donc du coup je pourrais avoir des clips de pas mal de modes de jeu et faire un top 5 de tous ces modes de jeu, tout ça, ça pourrait être vraiment sympa de ouf. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Par contre il y a moins que ça me prenne beaucoup de boulot cette série là, mais je suis motivé, en plus je suis grave motivé à faire des vidéos en ce moment, je pense que vous l'avez remarqué. Je fais du daily upload, hein, carrément en ce moment, je suis en mode une vidéo par jour. Du coup voilà, je compte sur vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je fais plein de gros de partout, je pense avoir abordé tout le sujet que je voulais durant cette vidéo. Parlez-moi aussi du budget, si vous vous intéressez encore je continue, parce que moi cette série là elle me saoule un peu vraiment. Comme vous avez pu le constater, c'est full tryharder, des malades, des mecs qui cheat, tout ça, c'est fou, laisse tomber à la casquette, hein, comme on dit. Donc voilà, bisous, c'était pas ça, bye bye!